Si vous voulez gagner en efficacité au combat, vous allez avoir besoin d'un chef d'équipe. Je suis volontaire. Pourquoi toi? Je t'ai dérouillé la dernière fois. Ça devrait être moi, le chef. Non, moi, je suis plus intelligent que vous trois, à moi tout seul. Pas question, ça devrait être moi. J'ai pas de raison en particulier, mais ce serait cool que ce soit moi. C'est une décision difficile à prendre. Je vais me retirer pour y méditer. Ce sera Leonardo. Sans rancune, Raphaël? Je m'en tamponne la carapace. Tu veux bien me réexpliquer encore une fois ce qu'on fait sur ce toit? Oh non! Écoute, concentre-toi un peu, bon sang! Tu vois ce bâtiment? Il porte le même logo que la camionnette qui a servi à kidnapper la fille. Je pense que si on fait le gars suffisamment longtemps, l'un des ravisseurs finira par montrer le bout de son nez et alors on l'attrapera et on lui fera cracher le morceau. Et on récupérera une belle camionnette! Contente-toi de frapper quand je te le dirai. Ça le fait! T'es sûr que ton plan va marcher? Fais-moi confiance. Ils vont arriver, c'est une question de secondes. Les gars, vous croirez jamais ce qui m'est arrivé. Le type en noir qui m'a attaqué, il avait un cerveau! On a tous un cerveau, Michelangelo. Non, pas tous. Dans la poitrine? Non, réfléchis un peu, pas dans la poitrine. Arrête de me prendre pour un âne et écoute ce que je te dis! Je rêve ou tu m'as collé une baffe? C'était pour t'aider à te calmer. Comment tu veux que je me calme? Le pauvre, il est en plein délire. Venez, suivez-moi, je vais vous montrer. Je vous jure, le type en noir était un robot extraterrestre et il avait un cerveau pieuvre gluant dans la poitrine, un truc de malade. Il faut que vous me croyez. C'est un peu dur à avaler. Ah oui? Eh ben tu feras moins le malin quand tu verras qu'il est... parti? Vous avez démontré une grande force aujourd'hui. Ouais, mais on aurait aussi pu perdre. Votre force a été d'être clément. C'est la raison pour laquelle les dragons pourpres vous ont aidé. Allez, vas-y. Dis-le, Raph. Bon, d'accord, d'accord. Tu avais raison. Bon, bah, tu vois, finalement, c'était pas si... Je l'avoue, ton manque de cran n'est pas si inutile. Ah oui, tu vas voir, je vais te montrer qui manque de cran. Pas de cliquer ! Denis, introduis-toi dans leur système et essaie de découvrir ce qu'ils trament. Raph, tu viens avec moi. Mikey, reste avec Denis. Pourquoi c'est toujours moi qui me le coltine? Hé! Je ne veux pas de lui. Et c'est moi qui commande. Hé! Dans ce cas, demande à Raph de le prendre. Ah non, pas question. Plutôt crever. Vous savez quoi? Je commence à croire qu'aucun d'entre vous veut faire équipe avec moi. Très bien. Si c'est comme ça, je ferai équipe tout seul. C'est le placard à balai. Amusez-vous bien. Allons-y, les gars! En formation! On va lui faire avaler sa chic à la vieille bique! Oh. Léo, arrête! Ça coupe les pattes d'entendre des trucs pareils! Mikey, la fontaine à eau! Ouais, j'ai vu! Il y a tout dans ce lycée! Mais non! Arrose-la! Oh. April! Où es-tu? Bien fait pour toi! Merci, les gars! Y a pas de quoi! C'est normal, voyons! Ceux qu'on appelle les tortues ont été détectés par le détecteur à détecter les tortues. Ils ont trop de données sur Krang. Krang attaque. J'espère que tu sais comment combattre ce truc. Bien sûr, j'ai tout prévu. Première étape. Je sais pas, mais à vue de nez, je dirais que ça sert à voler et à tirer sur tout ce qui bouge. Il nous colle la carapace.
Léo, tu crois qu'il sait où nous sommes? Ouais, il y a des chances. Il faut qu'on regagne le sous-sol. Je vais faire diversion. Par ici, super. Léo, ramène-toi. Ah, saleté d'extraterrestre, c'est tous les soirs le même cirque. Denis, merci d'avoir ajouté tous ces nouveaux morceaux! Hein? Quels nouveaux morceaux? Hé, hey, parlez moins fort, vous deux! Ça alors? Mais il y a des milliers de morceaux là-dessus! Il en télécharge des dizaines par seconde! Et alors? Et alors, je ne l'ai pas programmé pour ça! On dirait qu'il se reconfigure automatiquement! Ah, ça doit être la micro-puce! Peu importe ce que c'est! C'est trop cool! Les gars, on est des ninjas, vous vous rappelez? On est censé se déplacer sans attirer l'attention. Ça veut dire qu'on doit rester discret. Ça t'abaille! Hé Léo, c'était pas vraiment discret ça! Visez un peu ça! Il déchire ce spot de skate! C'est qui ce type là-bas? Aucune idée. Mais il mérite de recevoir une leçon. Pas si vite, Raphaël. Qu'est-ce qui te dit qu'il va faire quelque chose de répréhensible? Si ça se trouve, il va juste à l'église. Quoi? Vêtu d'une armure de combat? À ton avis, c'est quel genre d'église? C'est une église de la mort qui tue. Écoute, c'est moi qui donne les ordres et qui décide qui mérite de recevoir une leçon. Ce type mérite de recevoir une leçon. Oh non, c'est pas vrai ça. Allez, tu vas marcher, oui. Tu vas ouvrir si je porte. Ce type fait pitié plus qu'autre chose. Ouais, je sais pas trop si on devrait l'assommer ou si on devrait plutôt lui acheter un cornet de glace. Halte là, scélérat. Halte là, scélérat. Mais depuis quand on utilise ce langage? On est des héros et c'est le langage qu'ils utilisent. Vous allez avoir affaire à la furie de mon armure de combat ultra, mais... Attendez voir, vous êtes... Quoi? Vous êtes des tortues? Oui, tout juste. On est les tortues de la justice. Waouh. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est waouh. Faites-la partir. Il nous faut un plan, et vite! J'ai une idée! Je pourrais essayer de la capturer avec ma chaîne! Non, cette guêpe est beaucoup trop forte! Voici le plan, Mikey! Tu fais diversion, nous on lui tend une embuscade! Pourquoi c'est jamais mon plan qu'on suit? Parce que c'est le tien! Exécution! Ah. Youhou, la guêpe! Regarde ce que j'ai pour toi! Y a pas à dire, c'est le champion pour prendre la fuite en hurlant. Il faut bien lui reconnaître quelques talents. J'ai parlé trop vite. J'en viens toujours pas que Mikey ait été notre sauveur. Et moi qui l'ai tiré avec le canon du Shellraiser dans le repère. Je vous ai pourtant dit de me laisser tirer plus souvent. Pizza. Non, je ne suis pas à ton service. Ah, tu as raison, c'est pas comme si je vous avais sauvé la vie en accomplissant toutes sortes d'exploits. C'est vrai que tu nous as sauvé la vie. En revanche, je crois me souvenir que tu t'es servi de ma BD préférée comme papier toilette. Oui,
c'est vrai, mais je l'ai fait uniquement pour que tu me cours après. Eh bien, c'est réussi. Arrête, Mikey. Je suis un héros. Bouyakasha. Youhou, c'est à qui la part de pizza? Hein? Ah, c'est à moi. Ça, c'était une attaque surprise. Et ce sera le thème de notre session d'entraînement de ce soir. N'empêche que c'est pas juste, je t'ai pas vu arriver. C'est pour ça que c'est une attaque surprise, petite tête. Et comment peux-tu manger une pizza abandonnée sur un toit? La pizza des toits est l'une de mes 10 variétés préférées de pizza. Pour mener à bien une attaque surprise, il faut 1. Faire diversion et 2. Se cacher. Compris? Raph et Mikey, à vous de jouer. J'ai pas envie de jouer à ça. Et toi, Raph? Raph? Tire, garde! C'est pas juste! Les attaques surprises, ça craint! Comment j'assure? Niveau 83, mon pote! Je fais un malheur! Non, pas ça! Non, pas la tête de mort! Ton laser! Serre-toi de ton laser! Oh non, ça craint, ça craint! Comment je vais m'en sortir? Non! J'étais si près du but, Léo! Si près du but! Tu as fait du bon travail, mon fils! Mais il est temps de laisser la place à un vrai sensei! Mikey! Avec tes pizzas gorgées d'huile, tu as taché chacun de mes numéros du magazine Ninja Moderne. Ils ne valent plus rien. Oh, je t'en prie, ces revues sont vieilles, elles ont au moins 20 ans. Désolé, mais j'appelle pas ça moderne. Justement, c'est ce qui leur donne de la valeur. J'ai mis 6 ans à les collectionner. Tu entends, 6 ans? Eh, hey, pas la peine de t'exciter, frangin. Puisque tu tiens, je vais te les nettoyer. Tout ce que tu touches, tu l'abîmes, Mikey. Raph, ce sont que des choses matérielles, de vulgaires possessions. Pourquoi tu y tiens autant? Et si c'était ta collection de BD, tu réagirais comment? Tu prends toujours la défense de Mikey. Pourquoi tu respectes jamais mon point de vue? Je le respecte, Raph. Je pense simplement, comme le dit si bien Maître Splinter, que les possessions matérielles relèvent du superflu et... Ça suffit maintenant! J'en ai plus qu'assez de vous trois. Vous faites toujours n'importe quoi et c'est moi qui paie les pots cassés. Quelque chose attaque le vaisseau. Pas besoin d'un tableau de bord pour le savoir. Denis, tu vois quelque chose? J'ai du mal à le localiser. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est? On dirait un requin de l'espace. Un requin de l'espace? Waouh, j'en ai! C'est encore plus ouf que des vikings sur des motos. Il faut un vaisseau plus costaud. Capitaine Léo, quels sont les ordres? Léo? Léo, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Monstre en vue! Chasseur de primes, assassin notoire, recherché dans 87 systèmes stellaires. Waouh, je parie que Lord Dreg est derrière tout ça. Tout à fait, il est dangereux. Leonardo, mieux vaut éviter toute confrontation avec cette créature. Trop tard! Yeah.
J'ai localisé une station spatiale abandonnée à quelques astromiles d'ici. Nous devrions y être en sécurité. Armagon ne pourra pas nous y suivre, du moins je l'espère. Sa gueule de requin! Des nuits et des nuits qu'on cherche ces maudits tubes, j'en peux plus, c'est trop barbant, j'ai envie de hurler. Maggie ! Arrête, arrête, on a compris, on va faire une petite pause récréative, d'accord ? Oui, génial, une session d'entraînement. Yeah ! Hey, Maître Splinter m'a demandé de vous entraîner, alors je m'exécute. Vous voyez la porte du dragon ? Ouais. Je vais la défendre un peu comme dans un jeu de rôle, ok? Vous allez chacun votre tour essayer de franchir cette porte en m'affrontant en combat rapproché. Figé! Comme tu voudras, gardien de la porte. Allons-y, qu'on en finisse. Hé, hey, les gars, si on lui jouait un tour, ce qu'on va faire... Ziva Ninja! Ha! Ha! Wouhou! À quoi est-ce que tu joues, Mikey? Très amusant! Amène-toi! Gagné! T'as triché! On s'est même pas vraiment battu! Allons-y. Oh, tu te fiches de moi, Denis. Oh, le gardien de la porte. On est passé de l'autre côté. Et toi, quel tour vas-tu me jouer? Un tour? Pas besoin de tour, voyons. Hey! Un ninja ne lance jamais son arme. Pourquoi est-ce que vous essayez toujours de saboter mes sessions d'entraînement? Parce que tu veux qu'on se batte selon tes règles à la noix. Mais le but de l'exercice, c'était de réussir à franchir la porte. Et on a réussi, ok? Ouais. Salut! Enfuyez-vous! Partez d'ici! Je vais les retenir! Pas question de vous laisser seul! Ne vous en faites pas! J'ai un plan! Partez! Allez, venez, prenons le Shellraiser! Vous n'irez nulle part! Pas mon bébé! Par ici, suivez-moi! Allons par là! Tout ça, c'est de ma faute! C'est moi qui les ai attirés dans le repère! Sois pas si dur avec toi, April! T'essayais juste d'aider une amie! Oh oh! Et là, on va où? À gauche! Ça mène à la Tortue Mika! Non, il faut d'abord sauver Casey et Raph. On peut faire ça avec le robot. Non, il est trop lent. C'est toi qui es trop lent. Tu nous mènes tout droit au désastre. Je fais ce que Maître Splinter voudrait qu'on fasse. Ceux que l'on nomme tortues sont ici. Oh! Bouyakasha! Va-t'en, Mikey. Emmène April et Donnie. Mets-les à l'abri. Moi, je ferai diversion. Tu crois quand même pas qu'on va te laisser, non? Oh!
que je te dis. Allez, les cranks, venez, je suis là. Wouhou. Oui, c'est ça. Suivez-moi. Allez, essayez de m'attraper. Oh, j'aime pas ça du tout. Léo? Il n'est toujours pas revenu? Léo, où es-tu? Je t'en prie, réponds-moi! Oh non! Il est sur le point de faire une grosse bêtise! Léo, mon pote, je t'en prie, fais pas ça! Viens, on a besoin de toi sur le pont! Vous n'avez toujours pas compris? Fujitoi nous utilise depuis le début pour mettre la main sur son générateur! Je sais quelle action il faut que nous menions! Rationnellement, tu ne peux rien contre leur vaisseau amiral avec un module d'exploration. Ah oui, en plein dans le mille. Activation des boucliers. Attention à l'impact. Oh, slip. On a rendez-vous avec Shredder ce soir. Il a un plan diabolique pour détruire les tortues. Mais il ne sait pas où elles se planquent. Il dit qu'elles sont cachées dans les égouts et qu'il n'a pas besoin d'en savoir plus pour les éliminer. Nous ne sommes plus en sécurité ici. Nous devons déjouer ce plan diabolique. Mais comment déjouer un plan dont on ignore tout? Il faut qu'on remonte en surface pour découvrir ce qu'il trame. Raph a raison, c'est la seule solution. C'est ici que ça se passe. Denis, c'est mon espace vital. Désolé. Pardon. À force d'entendre Splinter répéter qu'on n'est pas prêt, j'ai fini par réfléchir. Et peut-être qu'on n'a pas la carrure. T'as jamais eu la carrure, Minus. Moi, je pense qu'aucun de nous n'a la carrure. Et ça me fiche les chocottes. Il n'y a pas de honte à avoir peur, Mikey. Raph non plus n'est pas rassuré. J'ai peur de rien, moi. Tu devrais... Pas de force. Chic, Chris. Tiens, tiens, qui voilà? Quatre tortues ninja qui vont finir en sushi. Je suis drôlement content qu'il n'y ait pas de honte à avoir peur. Ouais, moi aussi. Reprenez-vous, les gars, on ne panique pas. Bon, d'accord, un tout petit peu. Tu n'as jamais eu l'étoffe d'un chef. Je suis écœuré de chez écœuré. J'ai échoué. Je n'ai rien pu faire. Je suis un raté. Je les ai laissés tomber. Je n'ai pas réussi à les sauver. J'ai... Tous les chefs connaissent la peur de perdre leur équipe. Non.
Je ne peux pas baisser les bras. Tes spores n'ont pas d'effet sur moi. Parce que j'affronte déjà ma peur tous les jours. Oui, c'est ça qui fait peur. La lumière du jour. Va-t'en, laisse-moi tranquille. April, que s'est-il passé? Vous êtes là? Vous êtes vivant! Moi aussi, je suis content de te voir. Mais où est Léo? J'ai vu une grotte là-bas. Suivez-moi. Léo! Oh non, Léo! Léo, dis quelque chose, vieux frère. Je te fais du bouche à bouche. Non, ça va aller. Merci. Et vous êtes tous sains et saufs. Je sais pas ce que t'as fait, mais ça nous a sauvés. C'est grâce à toi. Merci, mon vieux. De rien, Raph. Attention! Il ne faut pas qu'il s'échappe cette fois. Eh ben, c'était fastoche. Si on tu vas! On a besoin de toi! Appel! Vous et moi, on a encore un truc à régler! Donnez-moi ce téléphone et tout de suite! Raphaël dans le camion! Je ne suivrai pas un lézard. Si tu ne veux pas mettre le prix pour cette vidéo, peut-être qu'il le met. Raphaël, sors de là, attrape. Écoutez-moi, espèce d'andouille. Primo, les grenouilles ne sont pas des lézards. Et secondo, nous ne sommes pas des grenouilles. Adios, gentille petite grenouille. Merci de votre aide, les gars. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Attendez voir, vous êtes des triplés ou j'ai une vision? C'est malin, Raphaël. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as laissé tomber en plein milieu du combat pour aller t'énerver contre ce type. On aurait pu les battre, mais à cause de ton sale caractère, le type à la cassette est... Techniquement, c'est une mémoire flash. Pas maintenant. Ce type est aux mains des Krang et on n'a aucun moyen de les retrouver. Regardez, leur camion a une fuite. Génial. On n'a qu'à la suivre, elle nous mènera à leur cachette. Ouais, et on pourra leur botter le derrière. Quoi? Nous, Raphaël, on va leur botter le derrière. Toi, tu rentres à la maison. Arrête, tu plaisantes. Et dis quelque chose, les gars. Laissez pas faire Léo, il délire. Je pense que Léo a raison. Il faut que tu apprennes à te contrôler. D'ici là, on ne pourra pas te faire confiance. Et désolé, Raph.
commençais à croire que tu m'avais fait faux bond. Mais tu es quelqu'un de fiable. Pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici? Pour ça. C'est l'épée de Miyamoto Musashi. Oui, de la plus grande lame de l'histoire du Japon. C'est une relique, elle est inestimable et elle est à toi. Si tu acceptes de m'aider. C'est-à-dire... Ne fais pas l'innocent, tu vas m'aider à la voler. C'est hors de question. Enfin, ça ne te fait pas mal au cœur de la voir prendre la poussière. Tu sais que tu mérites ce katana, certainement plus que le gros Richard qui l'a acheté. Arrête un peu de jouer les gentils garçons, Léo. Arrête d'attendre qu'on te dise ce que tu dois faire de ta vie. Suis ton instinct et fais-toi plaisir. Non. Je veux cette épée et je l'aurai. Avec ou sans toi, Léo. À toi de choisir. Je ne peux pas. Voler, c'est mal. Tu deviens ennuyeux. Caraille, rien ne t'oblige à suivre cette voie. Oui, je sais. C'est justement ça qui me plaît. Léo, qu'est-ce que tu fais? C'est qui celle-là? Raph, Caraille, Caraille, Raph. Tu veux me dire que tu connais cette fille? Alors pendant que certains risquent leur vie, monsieur fait ami-ami avec le clan des fous. Je peux tout t'expliquer. Voilà qui promet d'être intéressant. Eh bien, vois-tu, Caraille et moi, nous partageons le même engouement pour les armes anciennes et l'artisanat d'art. Je vous ai retrouvé, misérable tortue. C'est reparti pour un tour. En fait, on oublie tout et c'est de nouveau toi le chef, ok? Caraille! Caraille, s'il te plaît! Aide-nous! Sayonara. Ah, vite, suis-moi. J'ai une idée. C'est toi le chef. Et maintenant, on lui fonce dessus. T'es sérieux? Fais-moi confiance. T'es prêt? C'est du beau boulot. Merci. Content d'être de retour. Et désolé. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien entendu. J'ai dit... je suis... désolé! J'accepte tes excuses. Allez, grouille, grouille! Bientôt, ce machin n'aura plus de jus. Hé, les gars, regardez! Le portail bouge! Le truc qui doit passer par ce portail sera bientôt là. Alors, tu le désactives bientôt, ce bouclier, oui ou non? Je fais ce que je peux, Raph. Yeah!
J'avais oublié qu'il pouvait faire ça. Ça s'annonce mal. Les gars, je crois que c'est bon. Oui, vive Donnie. Oh, non. C'est pas vrai, nom d'un méga giga vaisseau sorti de nulle part. Léo, dégomme tout ce que tu peux maintenant. Allez, ma belle, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Ouais. Adios, les crânes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la batterie est morte. Ouais, bah bientôt, c'est nous qui serons morts, à moins qu'on trouve une autre idée. Léo, t'as prévu un procès? Denis, ça fera quoi si je détruis la pile à combustion? Tout ce qui est autour va exploser, y compris nous! Alors partez! Non, attends, Léo! Tu penses pas ce que je pense que tu penses? Si, il le pense! À ton service, mon pote. Oh, j'arrive pas à le croire. On a sauvé le monde. Ouais, finalement, c'était pas si dur que ça. Oh, on dirait que j'ai encore perdu une occasion de me taire. Il reste une capsule de secours là-bas. Dépêchez-vous. Tu vas laisser mon frère tranquille. Vite, Mikey. Jamais vous ne réussirez à m'échapper, bande de mutants. Léo! Léo! Vous allez tous mourir sans exception. Avec la survie de la planète qui est en jeu, la chose la plus importante est d'accomplir votre mission. Peu importe les sacrifices, même s'il s'agit de l'un d'entre vous. Fichez le camp! Allez! T'es pas bien, qu'est-ce que tu racontes? Non, mon vieux, tu peux pas faire ça! Partez! Dépêchez-vous! Je pourrais pas le retenir très longtemps! Léo! Non! Faut qu'on y aille bien! Leonardo! J'arrive pas à le croire. On a réussi. Léo. Non. Je peux pas croire qu'il soit plus là. Léo. J'ai passé mon temps à lui chercher des noises. Si c'était à refaire, j'essaierais d'être plus sympa avec lui, c'est sûr. Vraiment? Oui, vraiment. Léo? Léo! Léo!
Espèce de crapule! Tu nous as fichu une de ces trouilles! Oui, victoire! Ouais. Je vous adore, mes frérots! Repose-moi tout de suite le barjo, ou bien je te fais recracher tout ce mutagène! Au secours! À l'aide! Léo? Tu ferais bien de relâcher mes amis et mes frères. C'est que ce truc? Ça, c'est Raph. Je te raconterai. Vite, il faut que tu nous sortes d'ici. Prendra à porter mon masque sans que je t'y aie autorisé. Ces chaînes devraient le retenir. Maintenant, venez! Il faut vite l'emmener au labo. Tu crois que tu vas pouvoir sauver Raph? Pour être honnête, je n'en sais rien, Léo. Je n'en sais rien du tout. Yes! Oh non! Raph, vous avez vu sa tête? C'est trop horrible! De quoi tu parles? Il est parfaitement normal. C'est mieux comme ça, Mikey? Ouf, oui, c'est carrément mille fois mieux. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui s'est passé? Un monstre des marécages tout bizarre t'a pompé ton mutagène et t'a transformé en plante, mec. C'était la lutte totale. Mais avec cette intraveineuse, j'ai récupéré le mutagène qui était dans son corps et je l'ai réinjecté dans le tien. Futé, non? Et j'ai éliminé l'infection comme une vilaine acné de carapace. Ah, cool, merci. Merci, Denis. Et du coup, le monstre, il est passé où? Ah, il est redevenu de la vulgaire vase des marécages. C'est ouf, pas vrai? Donnie a travaillé toute la nuit pour te sauver. Léo est resté à tes côtés tout du long.
C'est la moindre des choses entre frères. Faut qu'on guérisse Raph. On a une ville à reprendre à l'ennemi. Oh, c'est cool! Vachement plus fastoche que de voler du pépéroni à... Mais comment encore ces fichues créatures? Oh non! Nom d'une soucoupe volante! Capturez-les! Lui, vous suggérez un repli stratégique? Pas question de battre en retraite! Raph, qu'est-ce que dit Fugitoïde? On se replie dans le sas! Désolé les gars, mais c'est loin d'être gagné! Amène-toi le rhino! Alors, vous voulez le sas? Eh bien, vous allez l'avoir. Non! M'enlevez surtout pas mon casque super cool, j'en ai besoin pour respirer! Ouvrez la porte extérieure, mais allez-y très doucement, je veux les voir souffrir. Gardez votre calme, les gars! Restez concentrés! Souvenez-vous des leçons! Regardez! C'est du Sendojutsu, une technique de respiration méditative que Splinter leur a enseignée. Ils ralentissent leurs fonctions vitales pour parer à l'absence d'oxygène. Il faut trouver un plan de sauvetage au plus vite! Observez la lente agonie des ennemis de l'Empire. Amiral Mozart. Très bien! Dans ce cas, ouvrez la porte entièrement! Qu'il se fasse aspirer dans l'espace une fois pour toutes! Gloire à vous, Empereur Zan Moran! Amiral Mozart, je vous ordonne d'interrompre cette exécution. Mais, Votre Altesse, ces créatures! Ces tortues de l'espace m'intriguent. Elles pourraient faire un bon divertissement. Emmène dans l'arène maintenant. L'Empire tout entier va les voir combattre et se faire démolir. Encore dérivé dans l'espace. Touche au vaisseau, vite! Vous n'irez nulle part. Ah, Léo! Foncez, je m'occupe de lui! Go, go, go! Plus vite, Léo!
non, on peut pas souffler 5 minutes. Tout va bien, c'est le radar de position. L'ordinateur de bord a repéré la flotte des Triceratons. On reprend du service. Ouais. Yeah. Monsieur Fugitoïde, mettez le cap sur le système Privax. L'ordinateur fait ça automatiquement, mais merci quand même. Cool. En avant, les gars. Tortue en force. C'est ce que tu crois, Krang. Wow, c'est totalement bidon. Bouillakacha! Trop tard, les tortues. Mon transdimensionneur va balayer vos mondes respectifs. Génial. On est coincé dans cet univers. Peut-être pour toujours. Non, j'ai mon projecteur, celui avec lequel je vous ai fait venir. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'entrer les coordonnées spatiales de Krang et... hop! Oh. Attendez, je rêve? Comment il marche, ce truc? C'est complètement absurde! En avant, les gars! Yes! C'est New York, on est chez nous! Je ne comprends pas, on est revenu dans le passé! Eh les gars, regardez, on dirait qu'on est plus consistant qu'avant ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui nous arrive, Donatello? Eh bien, on est passé d'un univers en 2 dimensions à un univers en 3D. C'est de la pure science-fiction. Eh les gars, maintenant qu'on est en 3D... on va se faire une pizza d'enfer. Wow! Vous pouvez pas faire ça, les frangins. Pourquoi pas? Parce que personne connaît notre existence. On a toujours vécu tapis dans l'ombre, tu sais, comme les vrais ninjas. Au boulot, les gars! Il faut qu'on arrête ce Krang avant qu'il ne fasse tout sauter. Comment va-t-on le retrouver, Donatello? Il est tout prêt. Tant qu'il garde son propre projecteur de portail sur lui, je peux le suivre à la trace comme Michelangelo quand il a reniflé une pizza. Oh, c'est de toi qu'il parle, pas vrai? Je m'y perds un peu par moment. Je crois que je l'ai trouvé. Il est là-haut, sur l'antenne de télévision. Je le vois. On dirait qu'il est en train de poser une bombe. C'est sans doute son transdimensionneur. Ok, les gars, voici notre plan. Les deux Donatello vont désactiver la bombe. Quant à tous les autres, démolissez-moi ce super méchant. Tortue en force. Faut qu'on règle un truc avant de crier Tortue en force sous azimut. Tu ne donnes pas d'ordre à mes gars, ok? C'est moi le chef. Oui, moi. C'est moi qui commande. Ton heure est venue, Shredder. J'avais donc tort. Je pensais que la mort de votre maître vous pousserait à prendre la fuite une fois de plus, de peur de m'affronter. De peur d'accepter votre destinée. Arrête de te la raconter, ça nous fera des vacances. Ouais, tu te crois fort, mais au final, c'est nous qui allons t'écrabouiller. Ce soir, on va en finir.
Le rétro-mutagène n'a eu aucun effet. Je te tiens, Denis. Merci, April. Il faut que je retourne là-haut. Non, attends. Le feu s'est propagé partout et je manque de force pour t'y renvoyer. Vous êtes risible. Tous autant que vous êtes. Ça suffit, espèce de farce métallique ambulante. C'était ton frère, Saki, ton meilleur ami. Comment as-tu pu faire ça? Splinter était voué à devenir un rat répugnant. C'était sa destinée. Elle s'est finalement réalisée. Tu es devenu un monstre, un démon. Était-ce donc aussi ta destinée? Non. Non. Mais maintenant, tu vas mourir. Leonardo, il ne faut pas avoir peur. Non, c'est pas vrai, je le crois pas. Léo! Il est mort. Oh non! Non, c'est impossible! Frangin! Ceci est la fin de Shredder. Je suis vraiment désolé, Maître Splinter. Quand je vous ai attaqué, j'avais la pleine conscience de mes actes, mais je ne pouvais les contrôler. Je vous prie de me pardonner. Il n'y a rien à pardonner, mon bon Slash. Shredder te manipulait. Tu n'étais plus maître de toi. Ces vers avaient l'effet d'agent dormant. Vous étiez programmé. En effet, oui, c'était horrible. Je vous remercie du fond du cœur de nous avoir sauvés. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ces vers étaient pas beaux à voir et que je suis content d'avoir retrouvé l'ancien Raph. Merci, petit frère. Tout ça, c'est grâce à Léo. Peut-être, mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Chaque équipe a besoin de compter dans ses rangs une tête de mule caractérielle et impulsive comme toi, non? Tu sais, Léo, t'es vraiment le meilleur. J'ai compris, d'accord.